Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fer, j'espère que vous allez bien. Nous continuons la série de vidéos sur Against the Storm. Alors, on est à peu près aux trois quarts du cycle actuel. Moi je propose de faire tout simplement et tout bonnement une autre partie marée. J'y crois pas, parce que ça va être notre troisième ville sur un marais, mais en fait, pas le choix avec les altérations sur la dernière de la bourbe. On avait été obligé parce que terre fertile. Et là, en fait, il y a deux points d'interrogation. Donc, si je gère un peu comme j'ai fait pour la bourbe, je devrais arriver encore à caser une ville et je pourrais le faire genre là. Du coup, c'est mieux que je fasse sur la case qui est en haut à gauche. Et malheureusement, c'est un marais. Donc on avait réussi à faire lors de la dernière vidéo un prestige 2. Et à chaque fois qu'on débloque une nouvelle difficulté, en faisant une victoire dessus, ça en débloque de plus en plus. L'impact de la calamité est amplifié. Alors malheureusement, c'est buggé dans ma version actuelle. Peut-être que quand ils relâcheront un patch ou un correctif ou c'est peut-être l'expérimental qui fait que ça déconne. Hein. Moi, je ne sais pas. Alors, on a pris les bonus d'embarquement qui sont augmentés. Alors, je ne pensais que le bonus d'embarquement, ça ne touchait que le bonus d'embarquement. Donc, la fenêtre à droite, hein, on est d'accord. On a toujours appelé ça les bonus d'embarquement. Et il se trouve que les 20%... ça touche les caravanes, donc c'est pour ça qu'on a des valeurs comme 36, 24, 2, 12, 18, 12. Ça touche toutes les ressources d'embarquement, pas uniquement celle bonus. Donc c'est vraiment indispensable, parce que si ça touchait que la droite, c'était gadget. Par contre, le fait que ça touche les deux, c'est ouf. Parce que bah, ce qu'on prend comme ressource initiale, par exemple, genre commencer avec 18 planches, là, avec humain lézard, attends, 18 planches, c'est beaucoup, quoi. Ok, alors, moi, je propose, donc, prestige 2, hein, ville, de la bouffe, hein, tout simplement, viande, œufs et racines. Parce que, bon, le bois, bah, on le coupe très vite. On va prendre CRP 3 castors parce que voilà, et on va l'appeler Bourbizor. Tac. Résumé, quantité faible, toujours 18 points, pas de soucis, pas d'altération autre. Et let's go! Calamitite sinistre. L'impact de la calamitite est augmenté. Ouais, donc chaque fois qu'on va augmenter de prestige, ça va nous rajouter quelque chose de plus. Toute corruption du foyer est 50% supérieure à l'ordinaire. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Putain, mais on voit encore des trucs qu'on n'a pas eu. Ciel dégagé augmente la vitesse à laquelle les négociants arrivent de 300%. Ok. Alors, ces gadgets... Par contre, ça marche tout le temps, il n'y a pas de conditions. Et c'est pendant la bruine. Et la bruine, c'est assez long, télème grandissant, classique. Brouillard, suffit d'héberger. Grêle, bah, suffit d'héberger. Alors, calamité sinistre. La production globale de nourriture est ralentie de 15%. Cet effet proportionnel à l'hostilité. Ah, faim insatiable, c'est insatiable qu'on n'a pas vu. Travailler dans cet environnement exige énormément d'énergie. Les villageois ont 10% de chance de consommer deux fois plus de nourriture à chaque pause. Cet effet est proportionnel à l'hostilité. Ok, donc nourriture, nourriture. Mais sinon, rien, pas de mort, pas de... autre que la graine. Hein. Mais qui est prévenable très facilement. Commence avec insectes et œufs. D'accord. Alors, regardons les loots. Okay, on va relancer directement parce que ça c'est hors de question. Tannerie pour les tissus, là je dis oui. Charpenterie carrément.
Oh, il a pris Ketri. Oh, ça va pas du tout faire comme la game d'hier, ça. Ok, eh bien, bon kiff, bon kiff. Très 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 sympa. Comptoir de commerce, s'il vous plaît. Tellement de briqueterie. Putain, c'est trop cool, on a eu. On a eu tout ce qu'il fallait dès le début. 9. On a nos trois ressources primaires de construction, genre comme ça quoi. Caravane bondée, tu te prières. On va relancer. Livraison de fibres. Ça me va. L'émission. 15 000 watts de cuivre. Production de livrets de cuivre. Récolte abondante inutile, il y a très peu de sol fertile sur les marais. Colonie. Florissante. Production de planches plus sain. Ouais. Lui, il est sympa. L'appel des ruines. Reconstruisez, recyclez. Les bâtiments détruits, découverts en forêt. 1. 9 minutes. Non. Je refuse. 3 ballots, plus un tissu, plus un céréal. On fait pas tout ça. Par contre, au cœur des bois, c'est la même chose, mais pas limité. Donc il y a un intérêt à pas regarder ces missions maintenant qu'il y a les missions. Les missions qui périment très très vite. Mission timée, j'appelle ça. 54 secondes. Putain, du coup, c'est possible de voir un commerçant, enfin un négociant dans. Année 1, brune 1, quoi. Wow. On va faire. Les petits bois. On va faire un abri d'avance. Oh, il vend de lui, 0,27. On va rien acheter, hein. Bah, l'huile, c'est pour les événements, donc. Le plaisir de commencer avec quasiment 200 de bouffe. En plus, les arbres, ils ont une chance de nous filer des champignons, donc les bûcherons continuent de nous nourrir. C'est vraiment relax le début, quoi. Mission globale, tac. Planche tissu brique. Alors, station de travail primitive.
Harpie ou garde-feu? C'est une harpie. Bon, en vrai, on peut se le permettre. Alors, si tu pouvais me faire 5 planches. Et 2 tissus. Très peu de clair ordinaire. Alors, prochain marchand dans 7-20. Ouf, 0 pour les harpies pour la première tempête. Eh b. Oh, j'ai failli faire une boulette. J'ai oublié de les mettre en. Éviter les clairières sur celle marquée. Oh là là, qui avait failli nous coûter une partie hier. C'était joué à pas grand chose. Ah, mais il y en a une qui va se casser. Sérieusement? Combien de temps? 17 secondes. On va retirer des bûcherons. Allez, pitié, des castors, s'il vous plaît. Alors, pilier... Ah, esprit rebelle, indispensable. C'est bon, on n'a aucun sans-abri pour le moment. Qui arrive pendant la brute systématiquement. Oh, tout ça. Oh, oh là là, ça vaut peut-être le coup d'acheter vite fait. Attends, combien on a de tissus en attente? On a 2, 2, 4. Faudrait deux tissus et 10 planches, 9 planches, 2 tissus et 9 planches. Bon, 2 composants et puis on va rajouter une connerie. Ça on pourra rajouter. Des choses qu'on n'a pas. Qu'on ne peut pas faire de préférence. Genre les légumes. Mission supplémentaire. 48 et 40 farines. Ou non, je préfère prendre 5 villageois. On va prendre la flûte castor, même si Racine c'est pas prêt d'arriver. Faire une maison pour castor. Ce choix de mission disparaîtra si vous décidez d'interrompre la pause avant de le sélectionner. 21 planches, 8 maisons de castor. C'est pas possible. 5,30 c'est pas assez, ça aurait été genre 7. Discutable. D'alchimiste.
je l'ai toujours pas digéré, ça y est. C'est le genre de truc qui me tient éveillé la nuit. Nous le jouons en plus. C'est bon, t'as tout livré. Allez hop, dégarage. Briqueterie, personne n'est doué là-dedans. Du coup, il va falloir se partager. Un petit event. Putain, du coup le prochain il arrive super vite. On 12 à la résolution des castors. 6 outils sains, viande, manteau. On va envoyer ça à là. La ville. C'est combien de temps? 3,48. La résolution qui chute d'un seul coup là. Ce sera terminé avant la tempête, c'est tout ce qui compte. On va les favoriser le temps de l'event. Ça va. Imhotep, Imhotep. Ah, les planches. Les planches, j'adore. Elles sont là, c'est full brique, full tissu. Elle a fait des gourdes. Donc ils sont heureux. Qu'est-ce qui défoncerait là? Maison. Faire des maisons, ce serait vraiment top. Enfin, une maison chacun. On voit comment comment ça se goupille. 47. Allez, dès que c'est bon, on arrête de les favoriser. Faisons de la place ici et faisons de la place juste là. Ok, bien résolu. On arrête de favoriser. On va peut-être convaincre le bûcheron, donc on va retirer Harpy au moment du début de la tempête. Maintenant, ah, juste une. Tout le monde est hébergé de toute façon, pas de soucis. C'est juste un problème de résolution. Voilà, 2. Au niveau 2, ça serait tombé dans le négatif. Ah, ça c'est beau. Voilà ce qu'on veut voir. C'est long, mais ça se fait. Gagnant de résolution par maison. Oh putain que ça fait plaisir. Ici, ça bosse pas. Parce que... quand taille de pierre... Il n'y a pas.
Ok, pilier. Contrat d'exploration, c'est pas ouf. Ok, on va relancer. Amulette de la flamme. Ça, c'est très très bien. Ah, ils veulent nous filer des humains? La quantité de sol fertile est misérable. Non, je préférerais des lézards. Genre, vraiment. Tout le temps des marchands, du coup. Viande séchée. Ah, les outils. Putain, les outils. Oh. Non, mais en vrai, j'ai... Oh, quoique, les outils. Ouais, je pourrais à peine m'en payer 4, des outils, ça sert à rien. Les herbes. Non, on va garder nos sous. On va garder nos sous. Quoique, sinon, on ouvre ici et on peut direct marchander. C'est une possibilité aussi. Et qui vient d'arriver. C'est les bêtes. Ok. Oh, réduit l'hostilité de 50 points. Oh putain, ça c'est une bonne récompense. Alors, par contre, les miasmes sont genre méga vénères sur la bouffe. Ça me crée de la famine. Il y a un tailleur, il y a un grand campement. Putain, après le grand campement, il faudrait que je fasse Arl Event. On va prendre... Les gens. Oups, j'ai annulé involontairement. Tac. Il va falloir faire beaucoup de maisons quand même. Oh putain. Une 16. J'ai le temps de faire l'event des nouveaux colons et on s'y met tout de suite. Parce que avoir des nouveaux colons, ça coûte rien en ressources. On paie avec la nourriture qu'on va nous faire disparaître. C'est ça le coût. Sinon, ça coûte rien la cage détruite de la bête. Allez, c'est good. Genre maintenant. Qu'on garde les marchandises. Vraiment, à 50 d'hostilité, c'est vraiment ouf. Dompter la forêt. Nous voir, j'ai écrit par pervu une rue de Bec, le célèbre tempestier. Ah, on en a eu que deux. Génial. Hein. Plus simple production de viande, viande séchée. Oh, vin rosé cristallisé, du charbon et tout. Oh, ouais. Oh, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. 20. Bon, la bouffe va fondre. Ça, c'est un coup, malheureusement. Alors, comme mission, impôt sur le revenu, toilette. Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez plus 1 de résolution pour l'RP pour chaque production de 70 articles cosmétiques. Oh. Négociant et vendre 15%. Oh mon dieu, mais. Oh. Ah, je sais pas. Les deux vont être longs à faire. Je vais plutôt prendre le truc pour les harpies. J'en ai beaucoup. Plus de production d'huile ou recevez 20 poteries chaque fois que vous décorez une nouvelle clairière. Garder les marchandises, on vient de le choisir. Mais on va avoir des anciennes tablettes. Garder les marchandises. De toute façon, on en a déjà lancé un.
nous avons des humains. Maison Castor. Faut que j'en fasse encore une. Et Harpie. Putain, 6. Ouais. Mon dieu. Toutes les maisons pour Harpie qu'on va devoir chier. Ce sont des sans-abri. Ça manque de nourriture. Non, ça c'est sûr. Ah non, si on fait les maisons spéciales, on n'aura pas ce problème. Ça prend en compte le combien il faut pour faire un perfect. Donc personne dans les abris. Parce que là, il n'y a pas de sans-abri. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et bien voilà, un marchand. Alors par contre, les outils imprégnés. C'est un très bon achat. C'est comme les articles cosmétiques, l'encens. Tu peux pas te planter. Alors reste là pendant une 15. Et même t'es fini dans la 23. Merde, on pourra pas récolter. Bon bah tant pis, on va se débrouiller comme d'habitude. Oh, le plan du fumoir. Dommage. Et on a encore pas eu les lézards. Je crois que c'est impossible de faire harpie lézard castor. À chaque fois on me fout les humains. Et quand j'ai pas les harpies, on me fout les lézards. C'est étrange, j'ai l'impression qu'il y a un combo de trois espèces qui est interdit sur toutes les possibilités. Alors, je propose une pause parce que je dois regarder toutes les caches que nous avons faites pour le moment. 7 et 7, donc il m'en faudrait 14 des imprégnés. Ce qui est une valeur de 42, ce qui est complètement dégueulasse. Non, mais tant pis. Tant pis. Article cosmétique 40, butin d'événement, et tac, résolution des harpies, ruines reconstruites, recyclées, Ah, les ballots de matériaux. Non, poste de fortune. Non, bah tant pis, hein. On va laisser couler. J'avoue que le tailleur. Le tailleur va vite falloir que je le reconstruise. Toutes les récompenses. Ce que j'aime, le manuel. Réduire l'oscillité de 50 comme ça dans le plus grand des calmes. Alors on vérifie, c'est bon, 0 sur 19. Les harpies vont faire la gueule par contre. Ouais, ça c'était sûr qu'on n'allait pas y couper. On va laisser construire. Alors j'aimerais qu'ils focus les maisons pour harpies. Priorité. Voilà. Histoire que la résolution augmente vite des choux. Voilà, 0-1. Magnifique. Okay, maintenant que c'est lancé, on va les faire reconstruire. Le tailleur. Corruption, hein.
Je ne comprends pas. C'est forcément un bug, c'est pas normal. Bref. Persévérer mon contenu, mais chaque lien découverte augmente la patience 0,5. Outil improvisé. Putain, fait chier, j'aurais bien relancé là en vrai. Hein. Extracteur de calamité, bah, vu que ça bug, bah, on l'a dans le fiac. Découverte d'outils, mais moins 5 résolutions pour les bûcherons. Vitesse de construction réduite de 25%. Bon bah, planification urbaine. Puis il faudra qu'on se démerde pour Castor. Pitié des Castors. En vrai, on va refaire un camp de bûcherons. Je propose d'ouvrir cette clairière là. On fait un joli chemin ici, tac. Qui n'est pas logé? Il y a encore deux harpies qui ne sont pas logées. Ok, donc un castor de harpies. Propose de faire un entrepôt à côté du tailleur vu qu'on ne peut pas le bouger. Tac. Et marchant dans 1,51. Putain, c'est en fait le bonus est vraiment ouf si elle dégageait. Hein. Il est vraiment démentiel. À utiliser des briques, ça me fait mal au fiac, mais après tout, on vient de tout débloquer. Obtenez 3,20 pour chaque production de 15 biens. Ah, les ballons de matériaux de production. Non. Tranquille. Et pas de menace, genre juste comme ça, quoi. Bah, tu sais quoi, on va en profiter, on va ouvrir celle-là. Let's go. Travail inactif dans. Qu'est-ce qu'il en manque? Il n'y a pas de planche. Tout est utilisé, j'imagine. Ok. Alors, bien coché le troisième, voilà, pas oublié. Ça fait nous coûter une partie, pardon. Ok, les deux maisons pour harpies, c'est good. D'ailleurs, ils attendent les planches. Grotte d'un poisson. Ça va être le moment où on claque notre huile. Hein. Putain, 30 en plus. Parce que résine, outil, charbon. Il arrive dans une minute. Je peux attendre au pire. J'ai des sous. Ouais. On va attendre une minute. Avant de claquer l'huile comme un gogol. J'ai manqué de nourriture. Oh putain, j'ai pas du tout fait de source de nourriture. Le grand campement. Putain, c'est beaucoup de chasse quand même, hein, les marais. Énormément de chasse. Hein. C'est pour ça les lézards, ce serait démentiel. Ah, tapis, ça va être collecte ici. Et collecte là. Et je me suis pas du tout occupé de la bouffe. Mais genre zéro, quoi. La maison pour Castor, ça pousse. Bonne résolution pour tout le monde, marchand. Alors, déjà charbon, là, je vois des choses qui me plaisent. Qu'est-ce qui coûte de moins cher? La rosée. Ah non, ça fait pas rosée. La résine. Ah, ils vendent pas de résine. Ils vendent de l'huile par contre. 0,27. Moelle marine, 0,5. Ah si, ils vendent de la rosée, mais ça demande pas. Attends, 0,16, donc tu multiplies par 3 parce qu'il en faut 30. 0,32, 0,42, 0,48, 1,76. Attends, en fait, ça coûte 30, mais c'est le moins cher au final, lui, non?
Ouais. Par contre, eux, c'est pas les mêmes prix. 0,52. 0,27. Eh bien, on reprend 30. Tiens, bah, ça fait pile une tablette. Et puis, on rajoute une connerie, genre deux morceaux de bois. J'avoue que les outils imprégnés. Soutien du clan des castors. Ah, oh, plus 3 de résolution. Ouah, wow, quand même le faut! 18! 22,50, ça va me coûter cette merde là. Je m'en fous, je le fais. Ok, et du coup, envoyer la citadelle. Fait vénère par contre. Ça c'est quasiment bon. Ça c'est bon. Ok, donc juste une harpie. Les gourdes, parchemin, non. Je veux toujours qu'il y ait 40 manteaux s'il te plaît. Plus un réputé, yes. Bon, la farine, on s'en fout un peu. Ranch, faut céréales, fibres, donc ça nous ferait une autre source de nourriture. Biscuit tarte. Je suis open pour la boulangerie. Même si ça reste un lieu pour les lézards, tant pis. Allez, premier totem d'homme-poisson. C'est toujours la vraie, let's go. La production de manteaux commence. Les manteaux, c'est bien pour castor humain. Pourquoi les harpies font-elles la tête? Famine, hein, très bien. Ça s'explique. Tu vas me dire qu'elles ont pas de quoi construire les camps de chasse, là? Qu'est-ce qu'il y a à foutre? Un autre totem d'homme-poisson. Ils sont partis faire tous les petits chemins là à l'autre bout du monde. Au cœur des bois. Oh, c'est bon ça. Fermé. Ah oui, le camp de chasse, oui. Ok, c'est bon ça, putain. Du coup, on va pas faire deux petits camps de chasse, on va faire un gros. Genre là à côté de l'entrepôt, c'est très bien, ça fera une source immédiate. Alors priorité maximum par contre, j'aimerais que ce soit fait dans maintenant, avant que tout le monde meure de faim. Un autre totem d'homme poisson, putain, ils enchaînent là. Ça c'est un autre totem. Hein. D'homme poisson. Dans 26 secondes, il y en a un qui se termine. Camp de bûcheronnage, aucun arbre à proximité. Tu vas nettoyer proche de l'entrepôt. Mission. Trop cool, ça se fait tout seul, ça. Et il me faudrait 4 conforts et 4 esthétiques, s'il vous plaît. Déblayer une éventuelle future clairière ici. Ce serait pas mal que je fasse un entrepôt là. Attends, qu'est-ce que je voulais faire? Tac, bûcheron, tatati tatata. Le totem, c'est fait. Merde, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Camp de chasse. Est-ce qu'il y a une crève là, là? Mais non, mais faites pas les insectes. Faites la viande d'abord, bande d'imbéciles. Totem d'homme-poisson.
je voulais faire autre chose, j'ai oublié. Oh, ça va me coûter cher. Ce genre d'oubli, quand ça arrive, ça me coûte cher. Si, l'esthétisme. Oh putain, c'est bon, ça m'est revenu. Dieu merci. Les maisons 0 0 parfait. Ok, bon bah là c'est caviar. Oh, on va retirer les bûcherons. Ici. Alors dommage, pas grand chose hein. Bon bah on remet les bûcherons hein. Global ralenti de 14%. Putain. Il faudra peut-être que je sacrifie du bois en fait. Oh merde. Ça c'est pas cool hein. Je vais sacrifier un bois de toute façon, ça c'est. Voilà. Et on va retirer genre. Ok, c'est cool. On est à zéro, voilà. C'est la famine, le problème. Ça a beaucoup affecté ma population. Ah non, pas tant que ça. Oh bah merde alors. Pardon, combien de temps? 45 secondes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Ah, les totems... Bah non, les totems d'homme-poisson étaient finis. Attends, merde, on est à 2, quoi, d'hostilité. J'ai vu pire. Je vais recramer encore du bois. 6. Et si je remets... Ouais, c'est 0. Ok. Juste 5, ça suffit. Attends. Pas plus ni moins. Enlever le sacrifice, très important. Let's go, année 5. Putain, on est déjà année 5. Ça passe tellement vite, quoi. Sac de céréales. Non, on n'en produit pas. Argile par minute. Fouille silencieuse. Bien pour réduire l'hostilité. En parlant d'hostilité, les outils charpenterie. Ouais, bah ça bloque sur. Sur lingot. Et rosé. Ah, elle peut faire la briqueterie. Ah, c'est le récupérateur d'eau de pluie qu'il nous faut dans ce cas. Castor, s'il vous plaît. Alors, ce serait pas mal qu'on fasse un second foyer pour réduire l'hostilité en vrai. Un humain de castor. Ah, ça touche ici, c'est pas cool. Là en revanche ça touche pas du tout. C'est l'avantage. Très très gros avantage. Pas de farine, est-ce que ça vaut le coup de mettre quelqu'un dans la boulangerie tant qu'on n'a pas la farine? Non. Ok. Ça c'est stand-by du coup. Tous les bûcherons sont en route. Ouais, on attend juste que ça se fasse. Ça c'est assez rapidement. Thank you.
une fermette pour faire des céréales. Ça m'intéresse. En vrai, c'était pas ouf. Après, je peux ouvrir un espace de... Je peux ouvrir une clairière. Après, on va pas le faire trop vite. Non, vas-y, on va rester comme ça. Oh, quoique, je peux le faire ici. Non, on va ouvrir le second quartier d'abord. Faut mettre quelqu'un et tout en plus. Nous ayons donc deux castors en humains de mémoire. Tout à fait. Et naturellement de la décoration. Ici j'ai pas le service donc ça peut attendre. Il me semble, hein, j'ai pas de service. Hein. Comptoir, entrepôt. Non, j'ai pas de service. Ça peut attendre. Je vais recocher un secte pour eux juste au cas où. Est-ce que vous avez des racines à vendre? Oui, c'est bien pour l'objectif ça. Castor. C'est 3 maisons de castor supplémentaires à faire ça. Oh, ça rend pile, c'est magnifique. Du coup, la fermette. Ouais, pas pour tout de suite. S'il te plaît, cet arbre-là. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Un truc qui fait de la farine. Oh, le four à céramique. Oh putain. Ouais, il me le fout. C'est. Absolument quoi. Ok bah c'est cool, ça nous a permis de valider une quête instante sans se prendre la tête surtout. Ça c'est très important comme détail. Ok petit foyer fait. Là il y a de quoi bosser hein. C'est magnifique. En plus, on a le bonus de deux résolutions globales, vu qu'on est passé en campement. Ça, pas de service, donc ok. Ah, de nouveaux habits, c'est bon, on l'a validé. Plus 1 production de cuir, 2 manteaux. Du coup, on peut le passer à 80. Encore de la répute, c'est génial. Temple ou marché? Qui fait le plus la gueule hein? Les harpies, parce qu'il n'y a pas l'histoire de la viande séchée. Four à céramique. Ah, le four à céramique peut faire de la viande séchée. Oh. Voilà qui est une bonne chose. Il me faut le terme. C'est bien, ça touchera les harpies qui font la gueule, mais surtout. Mais surtout, c'est pour l'objectif. Alors, cosmétique. Cosmétique, on peut pas en faire actuellement. Voilà qui est fort fâcheux. Alors, la fermette. Normalement, ça touche tout. Ne me fais pas de légumes, s'il te plaît. Alors, les céréales. Ah oui, alors les céréales, problème, c'est un ingrédient. On peut rien en faire actuellement. Incroyable. Bon, bah, tu vas me faire des légumes. Tu vas me faire des lugubres. Alors,
fenêtre régulière, faible résolution, qui trompe la colonie 30% plus lentement. Taux de production globale est 25% plus rapide. Putain, 3 personnes ça prend par contre. C'est pas mal. Combustible chute, un truc de malade. Arrêtez de consommer du bois. En vrai, le four à céramique devrait arriver à alimenter tout le monde normalement. Tant que j'apporte du bois de façon régulière, évidemment. Cabane de bûcheron. Alors lui, il est prêt pour... En vrai, on pourrait le faire là, mais on est en accalmie, donc on va pas le faire là. Entrepôt pas loin. Tac. Allez, fais-toi plaisir. Faut stocker. Là. Les outils, c'est toujours la merde. 20. Bon, bah, on garde pour la prochaine tempête. Ok, on a les bâtisseurs. Ta-ta-ta. Le terme, on va quand même mettre une personne dedans. Histoire d'avoir toilette régulière. On va mettre une harpie en CRP. La bouffe, ça monte genre pas du tout. Malgré production de viande plus 1 en étant à côté de l'entrepôt, tout se fait becter instant. Tout le monde a un peu de famine. Je vais refaire un deuxième camp de chasse. Camp de chasse, camp de chasse. Ah, c'est con, j'ai fait un entrepôt là, mais il n'y a pas de. À côte à côte, hein, tant pis. Parce que là, faut du miam, là. Putain, les harpies qui sont qu'à 10, par contre, là, ça fait flipper. Après, ils sont en train de faire de la viande séchée. Ça devrait les faire kiffer. Voilà, 11, 12. Voilà, c'est bon, ça augmente, ça augmente. C'était un problème d'approvisionnement en insectes, ça se trouve. Et quand on chasse. Parce que j'ai accepté la transfo récemment seulement. Ok, maintenant c'est la tempête. Alors, Nujuk. Dernière mission. Loisir, bière, sinon ce sera commerce. Alors, niveau récompense, je préfère carrément celui de droite. Par contre, les ballots. Luxe, commerce. Luxe, commerce. Luxe, on peut. Commerce, on peut pas, par contre. Merde, ça fait chier. Hein. Parce que les outils, en vrai, c'est casse-couille à faire. Hein. Et 35 ambre, c'est vraiment ouf. Le problème, c'est que la bière, j'ai pas la taverne. Allez, bière. Et on priera pour avoir le bonus de... de réputation qui nous donne la taverne. Moins 6. Oh putain. Alors, bûcheron 72. À tombe à 0 si je fais ça. Au pire, je peux favoriser l'harpie. Des dépôts de pierre. Ah oui, il y en a des grands juste là. Magnifique. Si vraiment ça va mal, je peux favoriser les harpies. Parce que les autres sont bien, ils sont en bonne position. 14, 9, c'est bien. C'est bon, il y a à manger. Un sort monté à 1. Ah, la famine a dû partir. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, article cosmétique, taverne. C'est les deux qu'il me faut absolument. Et c'est fini tout. Alors, vous m'ouvrez ça, genre, direct. Ah, on peut mettre des humains ici. Ah, attends, pilier. Ils ont besoin de savates. Ouais, mais on n'y arrive pas, justement. Plus 1 de résolution globale chaque fois que vous vendez équivalent de 40 unités dans mon marchandise. Oui. Alors, on va pas... on va pas marchander. On va regarder qu'est-ce qui se passe d'abord. Thank you.
Bah ça tombe bien qu'on ait trop de champs. Parce qu'avec l'event, on sait jamais. Et un bâtiment de harpie. Moins 8 de résolution globale. Butin d'événements. Alors le must, ce serait qu'on trouve une cache qui vaille vraiment le coup. Genre avec un atout. Résine plus 2, c'est naze. Ballot de commerce. Pigment. C'est naze tout ça. Ça veut dire tout ce qu'on a ouvert, il n'y avait rien de mieux. Parce que ça, c'est juste 4... Enfin, juste 4 minutes. C'est 4 minutes. Des briques, garder les marchandises, lingots de cuivre, minerai de cuivre, ça me permettrait de faire filon de métal au passage. La manufacture, oh la manufacture, va vite falloir qu'on la récupère aussi. Ok, donc on peut faire l'event, par contre la rosée est consommée très très vite, du coup on va plutôt prendre les briques et on va faire le choix de garder. Oh, quoique. Non, on va envoyer la citadelle. 0,5. Attends, je vais juste vérifier. 0,75. Ouais, donc c'est mieux de... Ouais, on va envoyer le truc qui me plaît pas non plus à la citadelle. Ok, bah ça défonce. On fait deux events en un. D'ailleurs, faudra recycler par contre. On en a déjà un. Donc, Osef. On va pouvoir valider le filon de métal, les denrées perdues, et le reste, bah, ça viendra quand ça aura. Avec les points de répute, on pourra probablement débloquer un bâtiment. Putain, c'est la brune, et genre... Attends, on va revoir un marchand dans la même section de brune. Eh, c'est... Et franchement, si elle dégageait, c'est... Waouh, c'est méta, quoi. On est en hostilité 5. Et on explore deux clairières par deux. Ça... Waouh. C'est assez ouf. Moi, j'aimerais bien revoir... comme le Léviathan. Mais j'aimerais voir les autres. Parce qu'il parlait de dépôts géants. Donc il doit en avoir plusieurs, j'imagine. Filon de métal. C'est bien, ça fait des outils. C'est bon, c'est torché. Du coup, fin de la brune. Et il vient quand même dans une minute. Putain, c'est... Ah, c'est ouf. Putain, du coup, vu que les négociants arrivent très très vite, tu vois plein de négociants différents. Ça, c'est très très bien. Alors, on avait dit taverne farine. On va relancer. Manufacture, on peut la recycler. La distillerie pour faire de la bière avec les céréales. Ouais, distillerie, parce que c'est un bâtiment humain et parce que on a la taverne comme objectif. Très très bien. C'était inespéré. Manufacture. Ah, il nous faut toujours la taverne.
plus il y a un fertile. Ah ouais, ici il va falloir que je fasse entrepôt. Entrepôt petit foyer. Farlif le vieux. Qu'est-ce qu'il nous propose? Un go, des outils simples, des outils imprégnés. Vitesse d'abattage des arbres plus 15%. Vitesse de déplacement des villageois est augmentée de 10% sur les rues. Très 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 bien ces atouts là. Gros gros kiff. Ça m'a dit qu'on recyclait. Pigment, ce sera distillerie aussi. Eh ben la distillerie, hein. Très très bien. Ouais, 3 charbons, ouais, ça fait mal. Non, pas les minerais de cuivre, s'il vous plaît. Les gourdes, je sais qu'on en aura toujours. Céréales racines. Ok, la fermette, tu peux. Ah c'est bon, restez comme ça, ça me va. Ok, on est 6. Bâtiment wood, manufacture. Tant qu'on n'a pas la taverne, ça sert à rien d'équiper ça. Eh bien, hop, on aura le bonus de production comme ça. Alors, bon, les harpies font la gueule. Moins 11, waouh. Moins 5. Je vais mettre une harpie dans la manufacture. Ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de harpies. En plus, elle est en train de finir le taf. Je vais mettre des castors dessus. La résolution est toujours à moins 5. Et j'avoue que si je vire tous les bûcherons, ça me fait gagner encore 48. Faudrait que je crame du charbon. Ah, ça tient comme ça, c'est good. Oh putain, le charbon qui me coûte une blinde à faire. Faudrait que je mette un humain dans la distillerie. Quand je vais recevoir du personnel supplémentaire. Arrêter le sacrifice de Charbox. La tempête est quasiment finie. Voilà. Pitié, un truc pour baisser. Non, y a rien pour. Bon, bah, catalogue guild, hein. Y a rien pour baisser aussi vite, sérieusement, les gars, quoi. J'ai fouille silencieuse, je me rappelle même plus tellement j'ai pris d'atouts. Oui, j'ai fouille silencieuse.
Bon, changement de plan, on va ouvrir un maximum de cash pour faire réduire l'hostilité, parce que là c'est plus vivable en fait. Il me faut une maison humain, une maison harpie. Pour le moment, bas les steaks. On va se concentrer sur les caches. Putain, si seulement j'avais la taverne. Genre, la taverne, franchement, ce serait une putain de. Un putain de déblocage, hein, vraiment. Ça me débloquerait savate loisir pour tout le monde. Je pourrais entamer la bière sans aucun remords. Tiens, on va virer les harpies qui étaient là d'ailleurs. Parce que là, si j'ouvre une dangereuse et que ça me demande des outils, j'ai l'air bien con. Après, il y a un marchand qui arrive. Parce que là, c'est une interdite en plus. Oui, bon, allez, c'est parti. Je me ris du danger. Je vais mourir. Camp de bûcheronnage, tac. Donc, on a plein de ressources que je considère comme rares et compliquées à faire dans ce jeu. Et surtout, j'aimerais voir un autre dépôt, comme le Léviathan. Ah, oh, ça fait méga longtemps qu'on n'a pas vu de cela. En plus, c'est un truc trop tranquille. Disparaissent à hauteur de 5 unités toutes les 15 secondes. Wow, d'accord. Eh bien, retirons. Le problème, c'est que quoi retirer? Un récupérateur d'appui. Garder les marchandises. Non, on veut la citadelle, ça paraît bien. Proto-blé ancien. Un type de céréales sauvages ayant subi une mutation engendrée par une espèce fongique invasive. 1003. Oh putain, on peut choper de l'ambre dessus. Oh mon dieu, quand même, il me faut le... Attends, camp de cueillette taverne. Article cosmétique. Et farine? Ouais, c'est les 4 bâtiments qu'il me faut absolument. Alors, le négociant. Attends. Qu'est-ce qu'il a comme vitesse de plantage de culture, négociant, production de blé? Ouais, on s'en fout. Incroyable. Que des trucs dont on s'en fout, mais genre royal. Céréales. Les herbes. Viande séchée, vin. Oh, biscuits. Biscuit baie. Je vais reprendre de l'huile. Il n'y a pas. Si, il y a une interdite ici. Allez, vas-y, on est des ouf. On en fait deux en même temps. En plus, il y a un entrepôt pas loin. Ah, parce que le. Putain, le proto-blé ancien, ça. Putain, ça a de la gueule, hein, rien qu'à dire. Alors attends, on avait dit. Attends. On avait dit cosmétique, le camp de cueillette, la taverne. Putain, il y en a un que j'ai oublié. Bon, bref, c'est de la merde. De toute façon, tout ce qu'on a eu, ça corrige. Ah, farine. Ouais, farine. 1. Non, relance. Putain, c'est un camp d'herboristerie. Non, c'est pas ça. Article cosmétique. 2, c'est pas mal. 2, c'est pas mal. C'est la distillerie. Alors voilà, il y a un entrepôt qui est tout beau, tout neuf. Il faudrait que je retire des bûcherons pour faire l'event, par contre.
Allez, mec, dépêchez-vous, il y a encore le négociant. Ah, le Léviathan mort. En sans parchemin. Il fait aucun de ces deux trucs-là. Et c'est pour ça que j'achète sans arrêt de l'huile, parce que j'ai cru que ça faisait de l'huile. Eh, mais l'huile, en fait, c'est trop indispensable. Moins 10 à la résolution globale. Ouf. Oh putain, c'est vrai, faut retirer une chouette. Ça fait mal. On va retirer les bûcherons. Non. On laisse les bûcherons. J'ai peut-être été un peu gourmand de faire les deux en même temps. Après, celui-là, il nique pas le... Garder le butin, ça compte pas sur les caches, les denrées perdues. Parce que la récompense denrées perdues, c'était quoi? 8 production plus 2 dépenses. Je crois que bon, ça va, on s'en fout un peu. On peut dire totalement. Tac. Et il vend pas de brochettes, évidemment. Ouais. Il vend des biscuits par contre. Parce que là, faut bien comprendre. Je suis un peu dos au mur. Hein. 23 composants. 3 ambres. Pour acheter un peu de biscuits. Putain, les manteaux, ça vaut que dalle. Je vais en vendre une trentaine. Parce que les biscuits, ça va me servir pour augmenter la résolution des castors et des humains. Et je vais favoriser les harpies histoire qu'elles partent moins vite. Il me reste que ça comme choix. Ah, les biscuits, les harpies, elles en mangent aussi. Oh, ah ouais, donc faut vraiment que je sois généreux. Il faut que les planches. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution temporaire. Ah putain, 4 minutes. Et la menace, si on fait pas du tu dis les joueurs. Ouais, bon, on va le faire du coup. Tac, et ça la récompense. Putain, ils ont toujours pas commencé l'event. Pourtant, on a une harpie. Capacité globale de. Ah, de transport. Ah, du coup, les éclaireurs, ça compte pas. D'accord. Donc là, les 4 minutes commencent. Putain. Il va falloir faire pareil, mais version de l'huile. Eh bah putain mon gars. Baisser l'hostilité, ce serait ma priorité number one. 4. Si je retire tous les bûcherons, j'enlève 84. Ça vaut pas le coup. Oh putain, même avec les biscuits. Eh bah non, je favorise l'harpie. Et on a 6-0-1. Oh putain, c'est... C'est le système D, hein. Mais ça passe. Ils ont le temps de faire. Portez doucement. Faudrait que je coupe des arbres. Qui sont pas trop loin. Ah putain, mais c'est loin de l'entrepôt. Là est le problème. Est le problème de la solution. Attends, bûcheron. Bûcheron, on avait ici aussi. C'est vraiment pas là l'entrepôt, faites-vous plaisir. Ok, ça passe. Ça passe. Allez, 3 minutes 40 comme ça. Laisse tomber le bruit en train de fondre. Niveau outils. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés. On est bien pour refaire. De l'ombre. Parce que si on ouvre des caches, ça réduirait mon problème. À savoir l'hostilité abusée du fiac. Alors, type cosmétique, herbe résine. Abusé, ça prend de l'huile ce machin. Oh ah mais lui j'en ai pas.
En sang, on n'a pas besoin, en vrai. On va limiter à 30, 40. Et biscuit. Biscuit, je crois que la boulangerie fait déjà. Même ratio. Ouais. 8, 3. Il n'y a personne. Parce qu'on ne fait pas de farine. Putain, sérieux. On n'a toujours pas un bâtiment à farine, mais c'est honteux, quoi. On a quand même limité à 30. Au cas où, un jour, Inch'Allah, on arrive à le faire. Tac. Résine. Non, ça vaut pas le coup. Ouais. Ça me paraît bien. Allez, 2 minutes 30. 2 minutes 30. Je mettrai les grands, les camps de chasse sur le Léviathan. Ce sera fini. Dis-moi, l'entrepôt, ça consomme bien un composant, on est d'accord, tout à fait. Parce que en vrai, je vais déplacer les camps de chasse. Je vais les foutre au niveau du Léviathan parce que c'est vraiment source de nourriture infinie. Alors l'hostilité a augmenté, je sais pas pourquoi. Oh non. Oh non. Mon système va s'écrouler. Putain, 1003 charges quoi. C'est une référence qui est fait, qui est 1003 charges au lieu de, d'un autre nombre ou... On a gagné une résolution. Du coup, ça fait baisser l'impatience et c'est pour ça que ça nous a niqué. Alors en vrai, viande séchée. Pour les harpies. Putain, le camp de cueillette pour... On est d'accord que le camp de cueillette... Camp de cueillette, on est d'accord que... Attends, il n'y a pas le lexique avec tous les bâtiments. C'est vachement important ce que je vais faire là. Si t'as plus sérieux, ouais, bah forcément, ingrédients. Pose de fortune. Attends, il y a un moyen simple de le faire. Camp de cueillette. Hein. C'est du verre. Ok, c'est méga important. Tac, dégage. Ok, du coup, ça veut dire que j'aurai un bonus avec les humains dessus. Problème, c'est que le fumoir... Viande séchée, quoi. Je pourrais me débloquer avec la farine aussi. Oh, putain, que j'ai toujours pas la taverne. Hein. Et... Putain, les céréales... Ouais, vas-y, la farine. Parce que la farine, ça fait un moment qu'on la traîne et que ça me gave. Quel est assez good. Et il me reste une minute dessus. Les castors sont à moi. Putain. Attends, je vais virer des bûcherons. Ouais, on va virer des bûcherons. Et c'est la menace, ça devrait le faire. Hein. 35 secondes. 35 secondes. Oh pitié, non. Et si j'enlève le traitement préférentiel? Castor remonte. Le temps que ça fasse le timing. Oh putain, la tempête commence. Il me reste 16 secondes à survivre. Oh, le timing était pas ouf par contre. Fire. Oh putain, le timing était nul à chier par contre. On va mettre un castor sur le garde-feu. 10 secondes à survivre. Oh, moins 41, putain. 3, 2, 1. Ok, moins 13. Ok, c'est vivable entre guillemets. Tous les bûcherons sont enlevés. Oh, il y a des gens qui vont se barrer. Ah là, c'est obligé quoi. Ouais. Parce que y a pas assez de bois. Non mais on va serrer les dents. On va serrer les dents. Les harpies, ça se casse. Quoi qu'il arrive.
employer des termes. Alors non, ça c'est vraiment pas cool. Pas au moment où on a besoin du bonus, s'il vous plaît. Alors ça fait 1 qui se casse. Ça fait 2 qui se casse. Oh, les humains aussi maintenant. J'ai peut-être réussi à sauver un castor en faisant un traitement préférentiel. Et on enlève. Une harpie qui se casse, c'est sûr. Oh putain, bon, ça c'était un bâtisseur. Ok, eh ben on a perdu harpie, ouais, tac, on reprend des gens pillés. S'il vous plaît, un truc pour baisser. Putain, mais on a rien quoi. C'est 30 viandes, ouais, on s'en fout. Hein. Tenez plus un de résolution. Chaque fois que vous faites du vin. Du vin, on en fait déjà dans la distillerie, mais dans la distillerie, il n'y a personne. Ok, on va mettre les bûcherons. Parce que là, faut relancer l'économie du bois. Putain, c'est vénère. Hein. Où est la pourvoirie? Allez, là. Il me faut quelqu'un pour faire de la farine H24, parce qu'avec cette farine, on pourrait faire des tartes et des biscuits à la boulangerie. Alors, la poterie, en vrai, on s'en fout. Tic tic tic, on vient penser à tout cocher ici. Ça, c'est un bien dont on a vraiment besoin. Et la taverne, putain, il nous faut la taverne. Putain, mais la taverne, quoi. La taverne, frère. Négociant. T'as pas un plan de taverne? Oh, réputation 0,5, qui va me donner un plan? Taverne, pitié de taverne. Non mais, OMG quoi. Ils veulent pas me donner la taverne. Par contre, brochette, c'est cool. Attends, je vais vérifier. Il me semble qu'on peut pas. Hein. Ouais, eh ben, ce sera les brochettes. Nom de Dieu, quoi. Je vais lui prendre tempête, durée moins 15%. Charbon plus 1. Waouh, comment ça me sauve la vie. En matériel d'entraînement, parchemin. Sang. Pigment. Article cosmétique. Et 41 ans. Je pourrais la valider tout de suite pour gagner des biscuits articles cosmétiques et je vais le faire. Je vais le faire. Les outils, c'est toujours la merde. Putain, je reviens pas. Comment? Comment? C'est la chiasse de ouf, quoi. Quoi. Attends, on a tous les meilleurs bâtiments pour les lézards. Évidemment, on n'a aucun putain de lézard. C'est bon, la viande, ça va fuser. Les outils qui peinent de ouf.
la briqueterie peut en faire. La briqueterie est occupée à faire de la poterie. J'ai pas assez de gens. Une maison pour humains. Putain, c'est ouf, j'ai pas assez de peuple, quoi. Pour faire tout ce que je veux faire. Utiliser du charbon au lieu du bois pour faire la viande séchée. Parce qu'ils font plus de charbon que de bois avec pour 10 pour 6. Le ratio est meilleur. Pas grand chose, mais il est meilleur. Il faudrait que j'arrive à gagner un petit peu de résolution. 0,25. Si j'attends 2 minutes, j'ai encore un plan. Ou alors je fais des ballots de... Attends, tu vas me dire que dans les ballots là... Il n'y en a aucun. C'est ça, il n'y en a aucun. Et putain. Puis ça va me demander encore des gens. Parce que là, je pourrais faire livraison majeure sans aucun souci. Et le plan de taverne me saurait le fiac. Quelque chose de vénère. Aucun arbre à proximité. Ça devient compliqué de juste alimenter mon industrie en simple bois. Pourtant, ça me paraît pas méga compliqué. Et pourtant, Dieu que ça l'est. Donc, 6 de construction. Ça se ferme. Très lentement. Allez, bâtiment de service. Pitié. Non mais... Oh, mais OMG! J'ai beaucoup de cuivre en vrai ou pas? Genre du minerai de cuivre. Non. Bonne mine de charbon, il y a ou pas dans le coin? C'est pas terrible. Hein. C'est très éparpillé. Hein. Putain, il me manque 4 de résolution. Putain, si j'avais la taverne là, comment ce serait trop pas un problème? Putain, j'ai plus de plan après celui-là en plus. C'est ça qui fait flipper. Ça, c'est mon dernier. Non mais je m'en fous, faut que je relance. Je vais rappeler un marchand. 0,33. Je m'en fous. Hein. Et moi je rappelle. Je peux pas resurvivre sans ça. Donc faut que je vende des choses. 0,5 de répute. Ouais, on s'en fout. Pas de plan. Oh putain. Sinon j'achète des outils. Attends, réfléchissons, faisons pas de conneries. On est d'accord que le cosmétique, je peux en faire dans l'apothicaire, à condition que j'ai de l'huile et des œufs. Oh putain. Et viens, attends, fais pas d'œufs. Bien sûr que non. Et des œufs. Là, on en a plus sur la carte. Faudrait que. Putain, il va falloir que j'ouvre des clairières ordinaires. Pour voir s'il y a des œufs. Parce que eux, je n'ai pas. Attends, il y a deux bûcherons là. Il y en a un ici. On va le déplacer lui. Parce que là, je peux pas assumer le bois, mais genre, du tout quoi. On va faire un autre camp de bûcheronnage. Et les outils. Et j'ai encore 3 caches moyennes. Donc ça fait 2,25. 2,25. Tant que je maintiens les harpies, mon espoir de win s'envole. Mais il me faut la taverne. Des œufs. Eh bien non.
pas de cache en plus. J'ai pas de bâtisseur. Tout le monde est occupé à faire de la bouffe et tout. Putain, c'est chaud. Je peux pas les retirer, sinon c'est la fin de... La pierre. La pierre, vas-y, on s'en fout, on en a 8000. Allez bosser. Tailleur. Tailleur, ça tourne H24. Tannerie, ça tourne pas du tout par contre. Mais à fond un bonus de résolution. Je gagne combien là, face au harpy? 0,32. Pitié, un truc avec des œufs. Ah oui, un truc avec des œufs. S'il vous plaît, ne faites que des œufs, parce que j'ai besoin des œufs pour faire article de cosmétique. C'est ça. Parce que je peux pas et je ne veux pas claquer de l'huile pour faire des articles de cosmétiques, ça devrait être interdit. Oh putain. Oh mon dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ça chute à combien? Putain. Et ça me sert à rien, ça faut que je relance. Oh non, la population harpiesque, en plus elle était quasiment bonne. Ouais, ça chute. Ah, chier. Si je vire les... Putain, mais là c'est un problème, parce que si je vire les bûcherons... Je peux plus récolter de bois. Si j'ai plus de bois... Faut juste que je serre les dents. Hein. Elle dure pas très longtemps grâce à l'item que j'ai acheté. Oh les castors dans ce baril. 39 secondes. Dans combien de temps il se barre? 78 secondes. Oh, merci. Merci les bains publics là. Qui ralentit à fond la vitesse à laquelle il rush quitte de la ville. Ok, vous, on n'a plus besoin, c'est bon, on a nos ballots. Plus un de répute. La résolution des harpies, ça va bientôt se faire. Faut juste serrer les dents. Plus 10% pour chaque garde-feu affecté en plus. Faut que je fasse un dernier event. Un dernier event. J'aimerais voir ce que c'est autre que le proto-blé et Léviathan. J'ai jamais vu le dernier. Dangereuse, elle est là. Putain, c'est chaud. On va ouvrir une cache. Normalement, on a les outils. Parfait. Ça me fera un vrai pute. Alors, il me faut une maison d'humain. Et c'est tout. Il n'y a plus de biscuits. C'est les biscuits qui me faisaient la vie. Faut que je fasse un event. Faut que je rush une clairière. On va la rusher ici. Putain, c'est... Eh mais c'est tellement la course. Pour le faire dans un temps... semi-acceptable dans le jeu. Parce que là, je suis méga lent. On est à année 9. Putain, tout ça, si j'ai vu la taverne là. Ah bah il est 35 secondes, ça vaut pas le coup d'appeler. Il va arriver lui-même. Putain, j'ai juste à relancer le plan, construire la taverne, et c'est bon. C'est fait en fait. 0,5 de répute. Sauf que ça va me coûter
15 d'ambre. Du coup, il me faut 8 d'ambre. Donc, il faut que je vende pour l'équivalent de 10. Parce qu'il faut que je garde des planches. Putain, un tableau de construction, on s'en fout. Composants, on est en fin de partie, donc let's go. Et briques. Je sais que ça coûtera pas une blinde. On fait une relance sur mon dernier jet. Nouvelle donne. Putain, y a pas la taverne, quoi. La presse, ça me permettrait de faire de l'huile. Parce que je suis plus à un stade où je peux relancer 20 zambes, c'est monstrueux. Après, ça donnait 30. Ah, j'ai peut-être déconné. Ah, je pense... ah oui, c'est une grande. Ah, pour moi, c'était une moyenne. Ingénierie. 100. Et Castor, s'il vous plaît. Le chaudron qui réduit juste la vitesse de production de nourriture. Attends, 0,5? On va prendre les récompenses parce que ça validerait notre mission. Et notre mission donne 1 alors que le valider de façon pure, ça nous donnerait que... Attends, c'est quel bâtiment? C'est celui qui est au bout de la terre. C'est vrai qu'on aurait pu attendre l'ambre pour refaire un reroll, mais c'est random, donc j'aime pas le random. Là, je suis sûr d'avoir si je fais comme ça. Tant pis, c'est plus long. Ah putain, qu'est-ce qu'il est chaud ce jeu, quoi. Quand je chasse aucun des quoi à proximité. Bon bah les œufs, c'est finito. Tant pis, hein. On sait que maintenant qu'il y a du proto-blé avec le Léviathan dans les marais. Je vais favoriser les harpies, elles passeront à 22, ça va valider ma quête, en plus de les mettre en résolution UV. Je vais le faire avant. Faut tenir 30 secondes je crois. On ne chasse aucun dépôt à proximité. Ah merde, j'ai pas validé viande, quel con. J'avais bloqué pour pas qu'ils aillent ailleurs. Ah, peut-être pour voir. Hein. 0,20. Ouais, ça reste bloqué à 22. 20, pardon. C'est 22. Putain, la taverne qui est jamais tombée, quoi. J'ai de la bière, j'ai de l'encens, j'ai rien pour la religion. Le temple qui est pas tombé. Allez, let's go. Wouah! Transpiré, hein. Bocard fabrique qui sont enfin débloqués. Ancien stabilisateur, bonus de pilier. Production de bois est augmentée de 2, mais la durée de la tempête. Oh, jamais je prends ça de la vie. Impôt sur le bois, obtenez un an pour chaque production de 50 bois. Ça, c'est génial. Extracteur de cuivre, obtenez un minerai de cuivre pour chaque production de 5 bois. Rosé cristallisé, production réduite de 1. Attends, pour chaque production de 5 bois, mais rosé cristallisé, production réduite de 1. Ok. Ça dépend. Bon vif, cette fois-ci, c'est la guide qui vous paye et non l'inverse. Obtenez 10 ans chaque fois qu'un négociant arrive dans votre colonie. Oh! En vrai, ça aurait été tellement bon avec le ciel dégagé, là. 10 ambres à chaque fois qu'un négociant arrive. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Alors, on a moyen d'avoir colonie en ruine et camp de bandits dans le... dans la même case. Ouf. Dans le verger, carrément. Ouf. Particulier. J'ai réussi à le faire. Avant que ça nous empêche de terminer ce cycle sans poser une autre colonie. 85 de nourriture, qu'est-ce qu'on peut se prendre de coulos? Ressources sacrifiées à l'ancien. Feuille brûle 10% plus longtemps. Perte de grâce. Nouvelle donne de pilier. Ouais. Augmente de 2% la durée de combustion.
Ah, oh, on n'a pas assez de machinerie ou d'artefacts. Incroyable. Eh bien, ça tombe bien, on a une double altération qui nous attend. Limite de route commerciale, en vrai. Pas du s'embarquement. Temps de construction. Ok. Eh ben, tant pis, gardons nos ressources. Et nous continuerons demain tout cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la chaîne de Fer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis naturellement... ciao, à la prochaine !